te marcher bien. Vous connaissez ça, vous arrivez là-dedans. La Bible dit que Pierre arrivé la caille Corneille. Corneille est tellement content, c'est qu'il a genouillé dans Pierre. Mais il était pour un il dit non, moi c'est un homme. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas lui qui vient, c'est bon Dieu voyé. Amen. Amen. Nous oublions les bon Dieu voyé. Nous. Mission, nous, c'est pour nous aller et prêcher la bonne nouvelle. Et l'aide qui vient dans la caille là, lui dit qui m'a su, qui cause, qui fait là. Bon Dieu, tu as fait le connaître. Mais connaître tombe pas. Connaître tombe pas. La Bible dit que ça caille là de plein monde. Parce que l'évangile qui doit recevoir, l'évangile qui nous montre, c'est la bourse. C'est pour faire autour de vous. C'est pour faire foyer à connaître. C'est pour faire amis autour de vous connaître. C'est pour faire coton passé dans le travail. C'est pour bailler l'évangile. Vous n'avez pas même peur pour vous révoquer parce que si vous révoquez parce que l'évangile, bon Dieu prend soin. Amen. Et bon Dieu prend soin. Amen, amen. Parce que nous n'avons pas besoin de peur. Mais ça qui nous bouche nous, ça nous gagne, ça qui est devant nous, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle. Amen. La Bible dit les Corneilles finissent de raconter l'histoire. Oui. Les Corneilles finissent de raconter le rêve. Oui. Et ils tombent par là. Quand il y a là, ils sont chita pour attendre qui ça, Pierre. Amen. Et puis c'est comme ça qu'ils ont été virés. Ils ont tombé par là. Ils ont remis comme à Pierre, dans verset 34 à l'aller. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Soit là, je dis, c'est grâce à Dieu. Amen. Bon Dieu choisit. Il n'est pas choisi parce que vous tellement sorti dans une grande famille, vous tellement bien langage, vous tellement bien connaissance, vous tellement. Parce que bon Dieu connaît qui vous connaissez. Connaissance, on ne va pas dire bon Dieu rien, mais la Bible dit secrète qui n'a pas qui déplacer bon Dieu. La Bible dit qu'on s'allait dans l'intérité, dans la prière. La Bible dit qu'il était dans la crainte. Bon Dieu découvrit que Corneille est un homme qui était une crainte. La Bible découvrit que Corneille c'est un homme qui te fait du bien. La Bible voit que l'homme ça a besoin d'un dernier push. Et dernier push qu'elle était jouée là, c'est que lui doit jouer le serviteur de Dieu, demeurer la caille. Je dis à le cas des messages. La Bible fait nous connaître quand tout, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous songez dans Deuchronome chapitre 7. Verset 9, vous songez côté l'Éternel dit, si, dans verset 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne détourne pas de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que vous connaissez la vie de ça? Bon Dieu, tu as joué une qualité ça dans le collègue. Bon Dieu, tu as joué une qualité ça et la chercher tout pour être capable de gagner qualité ça pour nous. Vous devez gagner qualité ça. Nous devons prier bien, en pile, et pas en pile, nous, relationnons avec Dieu. Nous devons être un homme qui, selon ça, la Bible dit, nous devons être même gens comme ça. Et la Bible dit, vous songez, bon Dieu, de quoi Pierre, vous voyez la carte qu'on est. Qui ça, bon Dieu, fait qui est gros? Qui ça, bon Dieu, fait qui est gros pour nous? Il déplaçait Jésus-Christ.
le Fils du Dieu vivant, pour venir dans le monde, et pour que lui capable l'ouvrir bouche, même Jean Pierre était l'ouvrir bouche la caille Corneille, côté lui t'a prêché, côté lui dit, nous sommes témoins. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le message que responsabilité des prédicateurs nous gagnait pour prêcher à travers le monde, c'est Jésus sur la croix. Il était pendu sur la croix. C'est le même message que Pierre a prêché la Capornaille, et c'est le même message que nous avons besoin aujourd'hui à réfléchir, à reconnaître que Jésus a été crucifié, Jésus qui était pendu sur la croix, et qui, aujourd'hui, la Bible dit qu'il était ressuscité. Et aujourd'hui, à cause de cette résurrection, nous avons la vie. Et la vie pour tout le temps. Maintenant, qui relation avec Dieu? Est-ce que vous cherchez à garder avec le Seigneur? Est-ce qu'on fait exactement ça, non, ça?